La proposition de Cédric Cherdel et de son équipe nous est apparue vraiment intéressante par rapport à nos missions, parce qu'il y avait une vraie complémentarité entre à la fois des propositions de spectacles, de création dans des salles de spectacle avec nos partenaires, mais aussi d'autres modes d'adresse à des publics vraiment variés, que ce soit des collégiens, des associations de danse, puisque nous sommes en lien aussi toute l'année avec le corps enseignant, de pouvoir proposer finalement toute une diversité de rencontres pour que les gens puissent se relier autour de l'objet chorégraphique, à la fois par de la pratique, mais aussi en pouvant interroger le regard du spectateur, et finalement de voir de quelle manière la danse peut faire écho dans la vie de chaque habitant de Loire-Atlantique. L'accompagnement avec musique et danse, il s'est passé sur deux créations, principalement avec Assis et Mascarade. Depuis le début de la création de la compagnie et de l'association, en fait, on a toujours privilégié l'idée de la rencontre. Et du coup, le travail avec les publics a toujours tenu une part importante. Et on le fait autour et en ricochet avec les créations. Une des premières matières qu'on avait, que j'avais vraiment envie de travailler, c'est la question de la marche, comment on peut l'étudier. La deuxième chose, c'est la voix, parce que c'est quelque chose qui a traversé nos formations. Avec Quentin, Laurent, on a fait la même formation chez McGuimarin, on a beaucoup travaillé la voix. Normalement, le pas, tu n'en auras pas, de chaque phrase, tu toujours ensemble. On récite. J'ai du bon tabac dans ma tabatière. J'ai du bon tabac, tu n'en auras, tu n'auras pas. Prenez le temps, à chaque fois, de bien passer la personne. J'ai du bon tabac, tu n'en auras pas. J'en ai du bon, et puis du bon, bon. J'en ai du bon, et puis du bon, bon. J'en ai du bon, et puis du bon. J'en ai du bon, tu n'en auras pas. En fait, chaque groupe, chaque action avait un parcours un peu différent. Et du coup, on essaie à chaque fois de venir immiscer un petit peu la danse, de voir comment chacun peut s'approprier les choses, de voir comment la danse, elle vient travailler pas seulement la question du mouvement, mais du corps en mouvement et du coup des relations les uns avec les autres. Il faut créer du lien entre vous, par le regard, par le corps, par des contacts. S'il n'y a pas ni lien, ni contact, ni relation, ça ne crée pas de paysage, ça ne crée pas d'image. Avec Mascarade, on a fait un parcours très particulier avec un collège qui s'appelait Faire Mascarade, où là on a fait un travail à la fois d'écriture, qui est porté par un collaborateur qui s'appelle Joël Clermenton, et un travail de danse que moi je me dédie. Donc là il y a des définitions, il y en a 90. Alors il y en a qui sont ludiques, il y en a qui sont théoriques, il y en a qui sont poétiques. Je vous propose une première chose, c'est d'aller les regarder. On travaille beaucoup avec Joël Clermenton sur l'idée que chaque parole a son importance, et donc ce projet de restitution, de récolte, de partage de paroles, on l'amène jusqu'à un livre qui va sortir, qui s'appelle Mascarade, et qui va sortir plus tard dans l'année, là en mars 2021, et qui va pouvoir aussi se poursuivre au cours de la diffusion de Mascarade. Qui est aussi un temps de rencontre à l'issue du spectacle. Le spectacle, c'est une forme de rencontre, puisque du coup, on va voir, on va comprendre, on va voir comment, cette fois-ci, moi, j'ai créé le spectacle, ils auront traversé comment eux, ils pensaient le spectacle, et puis d'inviter les gens à donner leur preuve, à s'exprimer, une façon un peu de désacraliser la parole d'un expert ou de donner de l'importance à tout le monde, c'est-à-dire que chacun, dans le travail de la danse, ressent des choses et que
Dire les choses, c'est parler de la danse. Dire ce qu'on ressent, c'est parler de la danse. Et qu'il n'y a pas de mauvaise parole ou de bonne parole, mais que chacun de son point de vue, on a une envie, on a des émotions, et que c'est ça qu'on attend aussi d'un spectateur de danse, qui puisse partager ce qu'il a ressenti, et pas forcément ce qu'il a compris. Et donc on travaille sur différents axes, le corps, la danse, le mouvement, l'écriture, etc. etc. Qu'est-ce qu'on vient raconter de nous, tous, nous qui vivons ensemble, qui se déplaçons, qui se côtoyons, qui se croisons, qu'est-ce qu'on a à dire à cet endroit-là? Je crois que c'est aussi un peu ça là, qu'on essaie de créer avec ces différents parcours. Qu'est-ce qu'on a à faire ensemble? Qu'est-ce qu'on a à se dire?